Je suis prêt. Tu vas te tenir comme ça. Ça va aller. Non, ça va aller. C'est bon. Je lance en 5, 4, 3, 2, 1, top. Attends que ça, les gens se connectent. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de la conférence de presse d'avant-match. Nous l'avons certainement annoncé hier sur les plateformes numériques pour des raisons indépendantes de nos volontés, certainement des raisons techniques. Nous n'avons donc pas pu réaliser la conférence à 18h hier comme il était prévu. Mais ce matin, nous sommes en tout cas au rendez-vous de 8h30 et nous allons entamer notre conférence de presse avec bien évidemment deux visages que vous connaissez déjà dans cette équipe. D'abord à votre gauche, ou du moins à votre droite, donc à gauche de l'écran, le coach Sauzet. Bonjour coach. Bonjour, bonjour. Voilà, le coach Sauzet va donc officier aujourd'hui en lieu et place du coach Mikré Oubirouet, qui est absent pour les raisons familiales. Et à sa droite, donc à droite de notre écran, à la gauche de notre écran, le milieu de terrain, Joseph Bruno Eyock. Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci d'avoir accepté justement de partager avec nous cette conférence de presse. Alors, première question, coach. Nous sommes à quelques heures de cette rencontre du match en retard contre l'UMS de Lyon, comptant pour la quatrième journée, parce que normalement la phase allait terminer. Donc, c'est un match en retard, comptant pour la quatrième journée que nous amorcerons tout à l'heure à 15h30. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe aujourd'hui? D'abord, je dirais que ce match nous a un peu surpris parce qu'on s'attendait à ce que la troisième journée en retard soit d'abord programmée. Donc pour nous, on était parti dans une semaine de récupération, de repos. Et puis en plein repos, mardi soir, on reçoit, n'est-ce pas, le communiqué qui nous programme à Douala pour la quatrième journée. Donc surpris, on est obligé de s'arrimer, n'est-ce pas, aux règles. L'environnement, je pense que la semaine a été bonne pour nous. On a essayé de se mettre en condition de préparer ce match. Et aujourd'hui, je dois avouer que pour aller le beau fixe. Alors, Joseph Bruno, il y a un internaute qui est, bon, pas un internaute, un confrère qui a demandé à la suite du coach. Il s'agit évidemment de Marius Mion, qui pose la question donc à Joseph Bruno et York. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous avec vos coéquipiers au moment d'entamer cette rencontre? On le sait tous, Kanon de Yaoundé est premier de sa poule avec 16 points. Victoire impérative peut-être pour consolider encore cette place dans la poule. Comment est-ce que vous vous trouvez? Comment est-ce que vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Et à la fin, quels sont vos objectifs visés à vous et vos coéquipiers pour le terme de cette saison? C'est la question de Marius Mion. Pour l'état d'esprit, je crois qu'on a commencé à préparer la semaine depuis mardi pour affronter cette rencontre. Mais on a dû travailler, je crois que pour le groupe est prêt pour affronter la rencontre cet après-midi. Parlant des objectifs du match, si on s'est déplacé pour venir jouer ce match, c'est parce qu'on sait qu'on a un mardi cet après-midi et on n'a pas fait un voyage pour venir. Regardez l'adversaire jouer, c'est pour remporter les 3 points. Alors, coach, on avait quelques frayeurs avec le gardien titulaire, Diane Diaoyan, qui avait quelques douleurs en milieu de semaine à l'épaule. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être prêt? Oui, je dois avouer que le staff médical a fait un gros boulot parce que jusqu'à mercredi matin, on était dans l'incertitude. C'était déjà de préparer le dossier d'un éventuel autre gardien qui n'était pas faisable avec mes 4 fermés. Donc, félicitations déjà au staff médical parce qu'ils ont pu reprendre l'entraînement de jeudi, de vendredi, et hier ils étaient au déplacement. Donc, a priori, lui, il est quand même à 80-85% pour le match. Alors,
Si on va revenir un peu sur la rencontre, comme nous sommes voir à l'image, cette rencontre entre le canon sportif de Yaoundé et la colonne sportive du Jay Lobo. C'est vrai, une victoire un peu maîtrisée, mais on s'est quand même fait quelques petites frayeurs. Qu'est-ce qu'on corrige? Qu'est-ce que vous avez corrigé? Quel discours que vous avez tenu à vos poulains pour leur permettre justement de corriger les erreurs qu'on a relevées durant cette rencontre? Par exemple, le pénalty manqué de Manny Crane qui aurait pu retourner, donner l'avantage à cette équipe. Et finalement, comment ils sont corrigés? Quel discours vous avez tenu justement pour corriger tous ces détails-là? Bien, vous savez que quelle que soit la meilleure préparation qu'on peut mettre dans un match, il y aura toujours des éléments qui vont vous échapper. Et c'est ça qui fait la beauté du foot. Donc, ces pénalties arrivent au moment où on est presque déjà à la mi-temps, où on vient de rater 2-0. Donc, c'est un petit relâchement que les joueurs ont eu, mais la préparation générale psychologique était déjà faite toute la semaine et la causer, le coach a précisé ça. Alors, et à quoi s'attendre cet après-midi contre UMS? On le sait tous, UMS a véritablement envie de prendre ses 3 points. UMS joue à domicile. À quoi s'attendre aujourd'hui? S'attendre à un match très difficile, tant plus qu'ils sont sur une bonne dynamique. Donc, nous aussi d'ailleurs. Mais je pense que ça va, le football, comme d'habitude, va se jouer sur le détail. C'est celui qui saura mieux maîtriser ces détails-là dans la partie qui va certainement l'emporter. Donc, on n'est pas venu ici en balade de santé ou en victime résignée. Nous savons bien ce que nous recherchons. Nous savons bien quels sont nos objectifs pour ce match-là. Nous devons tout simplement les atteindre. Alors, Joseph Patrick, comment est-ce que vous corrigez justement vos réflexes face aux actions offensives? C'est vrai, vous êtes milieu de terrain. Et donc, voilà, vous avez eu l'occasion certainement de vous retrouver dans des situations utiles, des situations dangereuses pour l'adversaire. Quand on regarde le tableau statistique du dernier match contre Colombe, on voit beaucoup de tentatives, contre New Star, pardon, on voit beaucoup de tentatives de but, mais on marque très très peu jusqu'ici. Comment est-ce que vous avez travaillé justement cette agilité devant les buts? Ça s'est travaillé aux entraînements avec le staff technique, les avants, les milieux, sur le but, n'importe qui peut se retrouver devant le but. Donc on a eu à faire des séances, même hier, à la séance de classage, on a eu à travailler pour pouvoir s'améliorer devant les buts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression quand même que vous avez du grain à moudre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir certainement gagné en confiance, mais aussi en sérénité pour affronter justement UMS de Loup cet après-midi? Oui. Parce que vu l'état d'esprit du groupe, on est confiant, sans toutefois minimiser l'adversaire. On est là pour jouer et remporter les 3 points parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé. Et si on doit finir cette phase aller dans les très bonnes conditions, ça passe pas aujourd'hui. Alors coach, quel est le message que vous passez à vos adversaires cet après-midi? Parce que on a vu Canon de Yaoundé arriver hier en fin de matinée. Une séance d'entraînement un peu dans l'après-midi, c'est vrai, c'était pas sur le stade prévu pour le match. Alors quel est le message que vous passez à vos adversaires, vous qui venez quand même aussi pour conquérir ces 3 points? Ah oui, mais c'est une équipe qu'on respecte bien, une équipe qui aussi a son sein des joueurs que j'ai eu à côtoyer à l'esport, des joueurs intelligents, des joueurs expérimentés. Je pense que s'il y a un message à passer, c'est que nous ne sommes pas venus les regarder jouer. Il y a sous peu de temps, ils ont été champions. Et aussi, on a à cœur de le devenir ou de le redevenir. Donc, voilà un peu mon message. Voilà. Quelle est donc la recette, on va dire ça comme ça, votre recette aujourd'hui pour entrer avec les 3 points et emmener? Notre recette, c'est toujours sur le plan mental, essayer de pousser les gamins. Comme je l'ai dit dans le début, on a beau faire la meilleure préparation possible, mais il y a toujours un élément certainement qui va
de l'échapper pendant le match. On souhaite toujours que cet élément ne soit pas un élément qui puisse nous faire sortir du match. Mmh. Voilà. Donc, je crois que c'est sur le plan mental. Nous sommes là parce que mentalement, les gamins sont aussi assez costauds. Est-ce qu'on va aller dans la continuité du travail qui avait été abattu par, du moins qui est jusqu'ici abattu par le coach Mikio Biwe, ou alors le coach Moufessi a aussi quand même une petite, je vais dire ça comme ça, qui voudrait ajouter dans la sauce pour la pour permettre à cette sauce-là justement d'être plus digeste et plus délicieuse. Je pense qu'à la présence du coach, c'est tout le staff qui a travaillé. À la fin du coach aussi, c'est tout le staff qui est resté, qui a continué à travailler. C'est vrai que l'intelligence du coach, je vais l'allumer X, Y, c'est pas identique à moi-même. Donc, chacun à son niveau sera, n'est-ce pas, utiliser son intelligence. Mmh. En termes de dispositif, on partira toujours sur du 3-5-2, du 3-4-3 par an, ou alors on ira sur un 4-3 par exemple. On saura bien s'adapter parce que le coach que je connais en face a souvent obligé aussi changer de système. Plus souvent, il a été dans le canon, il a été 3-5-2 dans Chine, 3-5-2. On verra bien. En tous les cas, on est préparé à pouvoir jouer dans l'un ou l'autre dispositif. Mmh. Alors, on avait quoi d'autre? Voilà, on avait aussi quelques incertitudes justement concernant le joueur Isoa qui a eu un petit bobo à la cheville hier. Est-ce que ça va pour lui ce matin? À l'entraînement, après la séance d'entraînement, il avait quelques. Oui, à Boumacha, autrement, c'est tellement, il a eu une foulure. Donc, depuis ce matin, je n'ai pas encore rencontré le service médical pour avoir la certitude, mais je pense qu'à priori, ça devrait aller parce qu'au repas, il a été signalé. Alors, coach, on arrive pratiquement à la fin du mois d'avril. Vous savez que chaque mois, il y a un joueur qui se distingue comme étant le joueur du mois. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà une petite shortlist des joueurs qui auront marqué ce mois d'avril qui s'est achevé il y a quelques jours? Oui, très certainement. Très certainement, je pense que... Je ne sais pas si je devrais communiquer ma shortlist maintenant. Est-ce que les internautes pourraient avoir une idée, au moins c'est du top 3, votre top 3 personnel, des joueurs qui vous auront tapé à l'œil cette saison? Oui, parce que on a eu des victoires, et derrière ces victoires, il y a des joueurs d'ombre, qui travaillent dans l'ombre. Déjà ce joueur qu'on a cité tout à l'heure, dans certaines mesures, Baigué. Aussi par Mouquete, parce que ça travaille beaucoup sur le front de l'attaque. Ça permet, n'est-ce pas, de faciliter les situations pour l'accès au but. Voilà les trois éléments sur lesquels nous allons certainement poser mon choix. Tout à fait. Alors, coach, un dernier message que vous adresserez peut-être aux supporters. Nous avons peut-être une question d'un internaute, Jean Velk. Est-ce que le Canon a une équipe de référence sur laquelle elle s'inspire quand elle joue? Sur le plan international, on qualifie certaines équipes d'avoir le style par exemple du Barça, d'avoir le style du Bayern Munich. Est-ce que le Canon a une équipe sur laquelle elle s'appuie, elle s'inspire en tout cas pour sur laquelle il s'inspire pour pouvoir jouer chaque match? C'est vrai qu'on est le style de Barcelone ou bien de Bayern, c'est le football. Chaque entraîneur, chaque staff technique a sa manière de concevoir en fonction des qualités de joueurs qu'on a devant soi. Dit qu'on va vouloir ressembler, vouloir jouer, c'est pas, on ne peut pas le dire comme ça à 100% parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs de joueurs. Donc, on essaie de mettre un style propre au football qui ressemble à quelque chose. Alors, peut-être on va pour la rencontre de cet après-midi, qu'est-ce que vous dites personnellement? Et que si on a l'occasion aujourd'hui de faire partie de la liste du coach Moufessi, et donc d'être parmi les 11 qui devront justement affronter cette équipe, qu'est-ce que vous avez vous-même personnellement en tête de faire justement pour pouvoir amener votre rencontre? Pour moi, c'est le jeu, le collectif, le groupe.
individuellement apporter mon plus pour pouvoir remporter ces 3 points. C'est d'être là, il faut jouer simple et jouer efficace. Alors coach, on a Coton Sport de Garoua également qui doit jouer avant nous, qui joue contre New Stars de Douala. Coton Sport qui pourrait, s'il rencontre tous ses matchs en retard, avoir la première place à Canon de Yaoundé. Quand on a une équipe comme ça, qui est, on va dire, le principal concurrent du Canon Sportif de Yaoundé dans cette phase de groupe, qu'est-ce qu'on se dit justement quand on doit affronter chaque rencontre? D'abord, félicitations à Coton Sport pour le parcours qu'ils ont en Coupe d'Afrique. Et d'avoir un challenge comme un challenger comme Coton Sport, ça vous pousse, n'est-ce pas, à beaucoup de travail parce que vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et ils sont capables de créer les distances. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Mais je pense que. Je ne vais pas dire qu'ils ont un nombre d'avance, mais en fonction de la nouvelle dynamique du Canon qui a été mise en place, celle de Coton a été mise un peu plus avant. Donc on se bat dans le staff pour être cohérent avec l'administration et le Canon se bat pour essayer de rattraper ce qui était pour eux, n'est-ce pas, le moment de gloire. Donc on ne peut que dire félicitations à Coton Sport, mais. Et nous pousse, n'est-ce pas, faire trop d'efforts. On va faire l'effort qu'il faudra, n'est-ce pas, pour essayer de revenir. D'accord. Un dernier mot, peut-être, pour sortir, justement. Les supporters. Aux supporters, par exemple, qui ne peuvent pas venir au stade, mais qui vous soutiennent au quotidien. Peut que demander le soutien qu'ils ont depuis qu'on a commencé la préparation, le championnat. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne sont pas là, il y a la page du club qui peuvent regarder le match qui sera forcément en direct. Nous encourager parce qu'on a vraiment besoin d'eux pour pouvoir sortir victorieux de cette rencontre cet après-midi. Coach, un dernier mot. Oui, je tiens déjà à féliciter tout le staff technique, tout l'encadrement administratif. Tout le monde, parce que si le Canon doit revenir à niveau, c'est tout le monde. L'idée peut partir du boss, de CA, mais si la chaîne ne suit pas, on peut toujours avoir des soucis. Mais je pense que jusqu'ici, j'en ai dormi pas. Je suis arrivé au siège encore peut-être un peu tôt hier avant le voyage. Les gens ont presque passé la nuit au siège à travailler pour que le Canon retrouve ce qu'il avait de bien avant. Que le Canon redevienne Canon, c'est tout. Donc je peux que dire bravo à cela et beaucoup de courage. Je dis la tâche ne sera pas facile, il y aura des moments difficiles, comme dans chaque métier dans la vie. Mais on a un objectif à atteindre, c'est pouvoir, n'est-ce pas, rivaliser ou reprendre notre place devant Coton. Merci en tout cas coach, merci José Bruno et Yop d'avoir accepté justement d'être de cet échange avec nous et naturellement nos internautes et nos fans. Peut-être un dernier message de remobilisation d'un internaute, Alain Dimitri Amougou. Envoyez-moi 2 coups de canon à ces gens de Loum. Je crois que le message a été perçu par le coach et le joueur, ils vont le transmettre à la fois au staff technique et aux autres joueurs. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci. Je rappelle que le match UMS de Loum Canon Sportif de Yaoundé, c'est à 15h30 au stade de la réunification de Mépanda. C'est ici à Douala. Et le match également est à suivre en direct et en simultané sur notre page Facebook Canon Kwaku et également sur la page de l'ACI Média. En tout cas, merci et à très bientôt à tout le monde. Merci, merci. Et on sait,